Bonjour. Bonjour et bienvenue à la formation démembrement de propriété, opportunités et risques. Avertissement. Objectif de la formation: maîtriser les applications du démembrement de propriété, approfondir la fiscalité, maîtriser les différents schémas, ceux qui sont sécurisés, ceux qui présentent des risques, choisir la stratégie la mieux appropriée à chaque situation et savoir les schémas mettre en place, les schémas concrets d'optimisation patrimoniale et fiscale. Et fiscale, je dis et, hein, c'est pas que fiscale. Contenu de la formation comprend quatre parties: les aspects juridiques, l'évaluation de l'usufruit de la nue propriété, le démembrement et les stratégies patrimoniales avec des exemples d'application, et nous terminons par la fiscalité du démembrement de propriété. Le démembrement, c'est bien quand ça n'existe pas. Oh, pardon, je reprends. Le démembrement de propriété, c'est bien lorsque on en a atténué tous les effets négatifs. Voilà, parce que selon les situations, mais le plus souvent, le démembrement de propriété présente plus d'inconvénients que d'avantages. On verra que le principal, d'ailleurs, avantage du démembrement de propriété, il est fiscal. Réduire la base taxable au droit de mutation à titre gratuit selon l'âge de l'usufruitier. Bon, oui, mais si on ne vise que ça, est-ce qu'on n'est pas directement dans l'abus de droit, le but principalement fiscal, déjà? Bon. Moi, je pense que dans certaines situations, oui. Alors, l'administration fiscale a apporté des propos rassurants, mais je m'en méfie. Je me méfie, voilà, des tiers. Hein, j'essaie que le client ait la maîtrise de la gestion de son patrimoine en limitant tous les risques. Et on arrive à des schémas, d'ailleurs, il y a des schémas qui existent, qui se rapprochent du démembrement de propriété, et qui sont bien plus sécurisés que le démembrement de propriété. Il faut voir. Donc, oui, l'avantage est essentiellement fiscal, mais il y a des inconvénients. On les verra, bien sûr, les inconvénients, mais j'en cite un. Le premier, c'est que, d'ailleurs, il découle de l'avantage fiscal. Pourquoi? Parce que lorsque je donne notamment la nue propriété, eh bien, il y a une réduction de la base taxable de droit de mutation à titre gratuit. Donc, et lorsque l'article 1133 du CGI, du Code général des impôts, ajoute, lorsque l'usufruit s'éteint pour reconstituer la pleine propriété, il n'est dû aucun droit de mutation à titre gratuit, ni d'impôt sur la plus-value pour le nu propriétaire. Bon. Bon, et voyez bien que pour optimiser la fiscalité, il faut que l'usufruitier y meure le plus vite possible. Alors déjà, je trouve ça moyen, moi, l'optimisation fiscale pour décider, mais il y en a plein, hein, des exemples comme ça. Mais aussi, c'est que je crée des espérances. Je vois bien, quand j'interroge des personnes, tiens, sur leur patrimoine à un moment donné, ah oui, bon, oui, alors je suis nu propriétaire de, et en levant les yeux au ciel, en disant, tiens, oui, mais enfin, il est en bonne santé. Ben, tant mieux qu'il soit en bonne santé. Hein? Allez, ben, on crée des espérances de morbidité. Là, quand l'usufruitier ne sera plus là, qu'il sera décédé, je serai plein propriétaire de ceci, de cela, de cela, de cela. Si ça commence comme ça, bah, il faut que je change de métier. Et tout ça pour des raisons fiscales. Pourquoi? Parce que le démembrement va poser notamment des problèmes de pouvoir entre usufruitier et propriétaire. Alors, si vous êtes sûr de bien vous entendre avec vos enfants toute votre vie, et à leurs conjoints, bien sûr, et leurs propres enfants, bien sûr, bah, ça va. Mais on n'est jamais sûr de rien, non? Non. Voilà. C'est pour ça que, oui, pour le démembrement, à condition qu'il porte sur des parts sociales ou des actions de SAS, et que l'usufruitier garde les pouvoirs. Là, et la jouissance, quoi qu'il arrive. Bon, on reviendra. Pourquoi? Parce que le démembrement, les problèmes du démembrement, les pouvoirs du démembrement et les droits économiques, les droits aux fruits, va dépendre de la nature sur lesquels, des biens sur lesquels s'exerce le démembrement de propriété. Les droits et les pouvoirs de l'usufruitier d'un immeuble ne sont pas les mêmes que celui d'un portefeuille de valeurs mobilières. Donc voici le plan dans le détail. Donc, un, les aspects juridiques. Pardon.
Aspects juridiques. Les aspects juridiques, les formes du démembrement de propriété, origine et fin du démembrement de propriété, le plus souvent le décès de l'usufruitier, l'avantage et les inconvénients du démembrement, les droits et les pouvoirs des parties usufruitiers et nus propriétaires. L'évaluation de l'usufruit de la nue propriété, est-ce qu'il vaut mieux se raccrocher au barème fiscal ou à la valeur économique, ou du moins lequel valeur applicable s'applique, dans quelle situation? On verra le barème fiscal avec l'article 669 du Code général des impôts et, on vient de le citer, le 1133. L'évaluation économique, dans quel cas s'applique-t-elle, pourquoi? Et on va comparer le barème fiscal de l'évaluation économique. Sachant que l'administration s'est inspirée de la valeur économique pour établir son barème fiscal. Troisième partie, le démembrement et les applications. Donc on verra les différentes applications possibles. Alors je peux vendre, je peux acheter, je peux échanger, je peux apporter. Je rappelle qu'on distingue les mutations à titre gratuit, donation, succession, et les mutations à titre onéreux, vente, apport, échange. Donc on peut donner, ce qui se fait le plus souvent, je donne la nue propriété avec réserve d'usufruit, et on peut éventuellement tout de suite penser à un usufruit successif en faveur du conjoint. On peut également céder à titre gratuit, donc donation temporaire ou viagère de l'usufruit. On peut acheter l'usufruit par une personne et la nue propriété par une autre personne. On peut vendre, céder à titre onéreux l'usufruit ou la nue propriété. On peut échanger usufruit et nue propriété. C'est la technique du démembrement croisé de parts sociales, notamment pour assurer le logement au conjoint survivant. Ce n'est pas forcément une très bonne idée, même si c'était à la mode. Et nous terminerons par la fiscalité du démembrement en considérant la fiscalité dans son ensemble. Car si on axe uniquement sur les droits de mutation à titre gratuit, pour la réduction de la base taxable, n'oublions jamais que qui est redevable de l'IFI ? Avis, l'usufruitier. Je donne la nue propriété à mes enfants et je ne m'entends plus avec eux ou avec leurs pièces rapportées. Ben, c'est moi qui vais me manger leur IFI toute ma vie, s'il existe bien sûr, mais bon. Voilà. Donc il faut garder. Et psychologiquement, l'IFI, ça fait mal. Hein. Je vous propose des questions parfois réponses. C'est le panorama de la formation sur le démembrement de propriété. Quels sont les droits et les devoirs de l'usufruitier? Alors, l'usufruitier, il peut jouir en bon père de famille, en bon parent de famille, pardon, mesdames. Et les devoirs de l'usufruitier, bah, ça va être de conserver la substance de la chose. Parce que la substance de la chose, elle a vocation à revenir au nu propriétaire. Quels sont les droits et obligations du nu propriétaire? Ben, le nu propriétaire, il a un seul droit. Attendre. J'attends. Le renard et le corbeau. Non, j'attends le décès de l'usufruitier. Et autrement, ben, j'ai aucun pouvoir. Si celui, éventuellement, de donner mon acceptation à la vente proposée par l'usufruitier. L'usufruitier ne peut pas vendre un bien sans l'accord du nu propriétaire. Quels sont les problèmes du démembrement? Ben, on a vu la morbidité. La perte des pouvoirs de gestion, on vient de le voir. L'usufruitier ne peut pas disposer du bien sans l'accord des nus propriétaires. L'incertitude sur le montant des revenus, ben oui, ça, les revenus vont dépendre en fait du bien sur lequel repose le démembrement de propriété. Et puis, qui doit payer les gros travaux? Bon, on le verra, en principe c'est le nu propriétaire, mais en cas de refus du nu propriétaire, l'usufruitier ne peut pas contraindre le nu propriétaire à réaliser les gros travaux au sens du 606 du Code civil, jurisprudence constante. Donc le nu propriétaire refuse de prendre en charge les gros travaux, c'est l'usufruitier qui doit dépenser. Est-ce qu'il a les liquidités? On verra une histoire. Dans quelles conditions le nu propriétaire d'un bien peut-il contraindre l'usufruitier à vendre ce bien? En aucun cas, le nu propriétaire ne peut contraindre l'usufruitier à vendre un bien. L'usufruitier et le nu propriétaire d'un bien conviennent de le vendre. Quels sont les droits de l'usufruitier et du nu propriétaire, sauf convention contraire? C'est le partage. Le partage des liquidités. L'usufruitier et le nu propriétaire décident de vendre un bien. Il y a du cash, c'est le partage.
un mois de passer une convention pour reporter le démembrement de propriété sur un autre bien. Non. On verra toute la force, justement, d'une société civile ou d'une SAS, justement, de ce point de vue-là, pourquoi on va garder la nature du bien, lorsque le démembrement repose non pas sur un bien directement, mais sur les titres de société. En cas de partage entre usufruitier et nu propriétaire, comment ce partage est-il réalisé? Eh bien, il est réalisé selon la valeur économique et non pas le barème fiscal. On voit encore des règles de partage qui sont assises sur le 669 du Code général des impôts. Non, c'est la valeur économique, jurisprudence constante. Qu'est-ce qu'un usufruit successif ou réversible? Quelles applications? Le plus souvent, attention, l'usufruit successif ou réversible doit être convenu au moment du démembrement de propriété. Pas après, c'est trop tard. Hein. Sinon, on change les règles du jeu à l'égard du nu propriétaire et ça, c'est impossible. Donc, au moment de la donation de la nu propriété, je peux prévoir un usufruit successif en faveur, par exemple, du conjoint survivant. En faveur du pacsé, ça peut poser quelques problèmes lorsqu'on va rechercher la réserve, les règles de la réserve héréditaire, par exemple. La clause de réversion d'usufruit, quelle fiscalité? On verra une décision de la Cour de cassation et la position de l'administration fiscale qui est favorable aux contribuables. C'est une donation à terme de biens présents. Selon la Cour, donation à terme de bien présent, un bien présent, une donation d'un bien présent, donc même s'il est réalisé et fait à terme, elle est taxable entre conjoints. Le conjoint est exonéré de droits de mutation par décès, mais pas si je donne à mon conjoint. Donc normalement c'est taxable, mais l'administration fiscale autorise justement une tempérance, dit que le conjoint n'est pas taxé avec une clause de réversion d'usufruit. Le conjoint survivant hérite. Pardonnez-moi. Le conjoint survivant hérite de droits en usufruit les enfants en nue propriété. Que se passe-t-il? Est-ce que les enfants nus propriétaires peuvent-ils obtenir la conversion de cet usufruit en capital ou en rente viagère? Bon. En capital, non. En rente viagère, oui. Et cette disposition-là est méconnue. Vous voyez bien la situation. Alors, moyennant garantie, bien sûr, pour obtenir la conversion de l'usufruit, par exemple, en rente viagère, eh bien, vous vous rendez compte, c'est peut-être catastrophique pour le conjoint survivant. Je ne l'ai jamais vu appliquer, mais c'est parce que c'est une disposition méconnue. On voit quelques actes où, justement, les nus propriétaires s'interdisent de demander la conversion, mais non, la conversion est d'ordre public. On ne peut pas interdire les enfants nus propriétaires de demander auprès du juge la conversion de l'usufruit en rente viagère. Quelles sont les obligations de l'usufruitier d'un immeuble? Il a droit aux dépenses d'entretien, mais, et aussi, aux dépenses des gros travaux, dès lors que le nu propriétaire refuse de les prendre en charge. L'usufruitier, il est tenu de conserver la substance de l'immeuble. Quelles sont les obligations d'un nu propriétaire d'un immeuble? En principe, les grosses réparations. Mais il peut refuser de les prendre en charge, jurisprudence constante. Quels sont les pouvoirs de gestion et les obligations de l'usufruitier d'un compte-titre? Alors, l'usufruitier d'un compte-titre, un portefeuille est considéré comme une universalité, un tout indissociable. Si ce n'était pas le cas, il faudrait l'accord du nu propriétaire pour la vente de chaque titre. Non. Là, dans le cas d'une universalité, l'usufruitier est autorisé à gérer seul le portefeuille de valeurs mobilières à charge d'en conserver la substance. Et comme il a la charge d'en conserver la substance, il est soumis à deux obligations. S'il vend un titre, il a l'obligation de remployer aussitôt les liquidités pour l'acquisition d'un autre titre. Deuxième obligation, informer le nu propriétaire. Ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, le relevé de banque, il est uniquement, bien souvent, adressé à l'usufruitier. Attention aux banquiers. Usufruitier nu propriétaire de part de société qui a droit aux dividendes. Ah, tiens, intéressant.
Donc, en principe, le dividende, c'est le fruit. Et en principe, c'est l'usufruitier. Oui, sauf jurisprudence, deux jurisprudences, une de la chambre civile, une de chambre commerciale, eh bien, qui dit, confirme que, il y a une petite différence entre les deux jurisprudences, on le verra le moment venu, mais les sommes du dividende qui sont prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire. Quel est l'intérêt de recourir au démembrement de la clause d'un contrat d'assurance vie? Bon, on verra au moment de l'assurance vie. Quasi-usufruit, qu'est-ce que c'est que ça? 587 du Code civil. Quels sont les biens qui sont concernés par le quasi-usufruit? Alors, je me méfie là aussi du quasi-usufruit. Alors, je me souviens que, enfin, j'ai quelquefois des désaccords, on va dire ça comme ça, avec des spécialistes du démembrement de propriété, qui préconisent forcément le quasi-usufruit, parce que vous allez voir l'avantage fiscal, notamment, pour le quasi-usufruitier. Non. Mais ils oublient de mentionner que l'usufruit ne peut s'appliquer qu'aux choses consomptibles par nature. Alors, il y en a qui ont inventé du quasi-usufruit sur un immeuble. Bon, ça, c'est terminé. Mais sur des contrats de capi. Vous le mangez, vous, le contrat de capi? Consomptible par le premier usage, un contrat de capi? Non. Donc, oui, mais par convention, on peut. Ben, pour moi, non. Et on verra les jurisprudences. Donc, le quasi-usufruit sur un contrat de capitalisation, par exemple, chez moi, faut oublier. Mais pas pour d'autres. À voir. Enfin, je n'ai pas toujours raison, hein, mais la jurisprudence, c'est elle qui tranche. Quels sont les droits et les obligations de l'usufruitier? Ben, le quasi-usufruitier, c'est bonheur pour lui. C'est bonheur parce que c'est un quasi-propriétaire, en fait. Dès lors que il exerce un bien est vendu, par exemple, eh bien, sur les liquidités, il peut tout consommer sans de compte à rendre au nu propriétaire. C'est un quasi-propriétaire. Ah, c'est une belle situation. Vous voyez bien que je donne en quasi-usufruit, j'écrase la base taxable, mais en même temps, je garde toutes les liquidités pour jouir de la vie. Bon. Une femme âgée de 61 ans est usufruitière d'un immeuble qui vaut 500 000. Comment est calculée la valeur fiscale de la nue propriété? La valeur fiscale dépend de l'âge de l'usufruitier. Donc ici, usufruitier 61 ans. Et on va appliquer la règle dite du complément à 10. Alors, on va voir ce que c'est que la règle du complément à 10. Plutôt que d'aller chercher le barème fiscal, la règle du complément à 10, ben la voici, hein. 10 moins 6 égale 4. 10 moins 6, je prends la dixième. De 6 égale 4. 4 dixièmes, c'est la valeur de l'usufruit. Si l'usufruit est égal à 4 dixièmes, la nue propriété est égale à 6 dixièmes de 500 000. Donc 300 000. J'y reviendrai. Quelle est la valeur fiscale de l'usufruit temporaire? 23% par période de 10 ans, même simplement commencée, sans que celle-ci puisse dépasser celle de l'usufruit viager. J'y reviendrai. Une personne renonce à son usufruit, quelle fiscalité? Ben, en principe, l'administration fiscale, elle va dire taxable au droit de mutation à titre gratuit. Mais on a quelques jurisprudences quand même qui contre l'administration fiscale. Quand peut-on recourir à la valeur économique d'un usufruit d'une nue propriété? On peut recourir à la valeur économique dès lors qu'il s'agit d'une mutation à titre onéreux. Vente, apport, échange. D'ailleurs, la jurisprudence le confirme. Le barème fiscal 669 du Code général des impôts ne s'impose que pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Mais vous voyez bien que je vends mon usufruit, je ne vais pas chercher le barème fiscal. C'est la valeur vénale, la valeur du marché. Premier critère, c'est la méthode par comparaison systématique. Et s'il n'y a pas de comparaison possible, à ce moment-là, bah, ça va être la valeur économique. C'est-à-dire selon les dividendes, enfin il y a plusieurs valeurs économiques possibles, mais ça va être éventuellement le dividende attendu. Quelle est la répartition des impôts entre usufruitiers et nus propriétaires? Ah, ben ça dépend. Ça dépend des biens sur lesquels repose le démembrement de propriété. Si c'est un immeuble,
Ah, ça, c'est l'usufruitier qui va payer l'impôt sur le revenu, ça c'est sûr. Hein. Et sur les plus-values, bah, pareil. Si c'est un portefeuille de valeurs mobilières, ah, là, on peut, l'usufruitier du propriétaire peuvent passer une convention de répartition de l'impôt, mais attention, l'option est irrévocable. Si le démembrement porte par exemple sur des parts d'une société civile à l'IR, bah tiens, qui est redevable de l'impôt? C'est une semi-transparence fiscale. Hein. L'usufruitier est imposé comme s'il était usufruitier des biens qui sont détenus par la société civile, mais là, il y a une libre répartition de l'impôt entre usufruitier et du propriétaire. D'ailleurs, chaque année, on peut changer la règle du jeu si les statuts sont bien rédigés. Mais attention, si cette disposition, l'administration fiscale ajoute dans BOFIP, si cette disposition, la libre répartition, était utilisée uniquement pour des raisons fiscales, elle se réserve, maintenant principalement fiscale, elle se réserverait l'application de l'abus de droit, à juste titre. Donc il faut expliquer pourquoi on fait la libre répartition. Alors, elle établit quand même une règle, hein. Voilà. Elle dit que l'usufruitier était imposable sur les bénéfices courants, le nu propriétaire sur les bénéfices exceptionnels, sauf convention régulièrement conclue avant la clôture de l'exercice. Quelles sont les situations qui mettent fin au démembrement? Le plus souvent, le décès de l'usufruitier. La perte de la chose, la fin du terme si c'est un usufruit temporaire, la renonciation à usufruit, par exemple. Et on rentre dans la première partie avec les différentes formes de démembrement de propriété. Et on va commencer par que dit la loi, la règle du jeu. On verra la pleine propriété et l'usufruit, le quasi-usufruit et la nue propriété. Extrait choisi du Code civil. 578. L'usufruit, le droit de jouir des choses dont à la propriété, on faut entendre le nu propriétaire, mais à charge d'en conserver la substance. L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme, donc démembrement subi ou démembrement volontaire. Démembrement subi, c'est par exemple l'usufruit du conjoint accordé au conjoint survivant lorsque les enfants sont tous issus du même lit, par exemple. Et on peut aussi, on a vu, faire un démembrement volontaire, hein, vendre son usufruit ou vendre sa nue propriété. On peut pratiquement tout démembrer. Pratiquement tout démembrer. Sauf un pèle, un sel. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruit, soit civil, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. Si un usufruit, 587, c'est le quasi-usufruit. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, donc les choses consomptibles par le premier usage, et ça, c'est d'ordre public, comme l'argent, les grains et les liqueurs, donc l'argent. L'usufruitier a le droit de s'en servir, à charge d'en conserver la substance et de rendre à la fin de l'usufruit des choses de même quantité, de même qualité. Et cette obligation de restitution par l'usufruitier se traduit fiscalement par une créance de restitution. C'est intéressant fiscalement. Attention à la fiscalité. Bon, alors, on a vu que l'usufruitier ne peut pas vendre le bien sans l'accord du nu propriétaire, mais chacun est autonome pour disposer de son droit. Ça veut dire que l'usufruitier peut, par exemple, vendre son usufruit seul, sans l'accord du nu propriétaire. De toute façon, au décès de l'usufruitier, l'usufruit va s'éteindre sur la première tête, sur la tête de l'usufruitier sur lequel l'usufruit était constitué, pas sur le second bénéficiaire. Hein? Au décès de l'usufruitier, du premier, donc de l'usufruitier, pardon, ça va s'éteindre pour reconstituer la pleine propriété. De même, le nu propriétaire peut vendre sa nue propriété sans l'accord de l'usufruitier.
Le nu propriétaire ne peut pas nuire aux intérêts de l'usufruitier. Les grosses réparations, en principe, sont à la charge de l'usufruitier. Mais on a vu la jurisprudence constante, et on le verra, selon laquelle l'usufruitier ne peut pas contraindre le nu propriétaire à réaliser des gros travaux. 608. L'usufruitier, pendant la jouissance, la charge annuelle, en fait, donc les dépenses d'entretien. Et le nu propriétaire, en principe, les grosses réparations. L'usufruit s'éteint pour les raisons suivantes. La mort de l'usufruitier, l'expiration du terme pour lequel il était prévu, si c'est un usufruit temporaire. Le non-usage du droit pendant 30 ans, la perte totale de la chose. L'usufruit peut cesser aussi par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, puisqu'il doit conserver la substance de la chose. Bon, c'est très rare en jurisprudence, ça. 621. En cas de vente simultanée de l'usufruit de la nue propriété, la règle, c'est le partage des liquidités. Sauf accord des parties pour reporter le démembrement sur un autre bien. Et la jurisprudence ajoute que si c'est le partage des liquidités, ce partage doit être réalisé selon la valeur économique. Elle ne dit pas comme ça sur la valeur économique, mais elle dit sur l'espérance des fruits, donc du gain, et l'espérance de vie de l'usufruitier. Ce qui fait qu'on aboutit à la valeur économique, on le reverra. Sur les flux constants, on le calculera évidemment. Et ici, le juge ne peut ordonner la vente d'un bien contre la volonté de l'usufruitier, et inversement d'ailleurs. On peut donner, ça tout le monde le sait, tout le monde le fait, on peut donner la nue propriété avec réserve d'usufruit, avec l'usufruit successif ou pas. On peut aussi faire porter le démembrement sur des parts de société. Et à moins qu'une disposition du Code de commerce vienne contrer le 1844, la règle est que si une part est grevée d'usufruit, eh bien, chacun, alors ça a été modifié l'année dernière, cet article, l'usufruitier et l'unu propriétaire peuvent participer aux décisions collectives. Participer aux décisions collectives, c'est pas voter. Sinon, on l'aurait précisé. Voter, ce n'est pas participer. Donc, le droit de vote appartient au nu propriétaire, d'ailleurs, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou les réserver à l'usufruitier, sauf clause contraire, sauf convention contraire, ou clause contraire dans les statuts. Mais, bon. Donc, les statuts peuvent déroger à cette disposition-là. Donc, alors, il y a des dispositions du Code de commerce qui concernent notamment la société anonyme, et la société en commandite par action, qui dit que le pouvoir appartient à l'usufruitier pour les AGO, et le nu propriétaire aux AGO. La pleine propriété. La pleine propriété, c'est le droit de jouir, de disposer pleinement de la chose, à moins que, bien sûr, il y ait des conditions ou des charges. Et voilà, le plein propriétaire a plusieurs droits. On dit l'usus, le fructus, l'abusus. Donc, jouir de bien, l'utiliser librement, en percevoir les loyers également, percevoir les revenus, et en disposer, l'abusus. Mais voyez bien que ça ne s'applique pas au nu propriétaire. Pourquoi ? Parce que le nu propriétaire, s'il peut vendre seul sa nue propriété, en aucun cas il ne peut la céder sans l'accord de l'usufruitier. Donc, le seul droit du nu propriétaire, c'est d'attendre le décès de l'usufruitier. Voilà, la pleine propriété est égale au usus fructus abusus. Et on distingue l'usufruit d'une part, la nue propriété d'autre part. Et je rappelle que le nu propriétaire n'a pas l'abusus.
Il y aura l'abusus quand il sera plein propriétaire. Toc. L'usufruit. L'usufruit 578, le droit de jouir des choses dont un autre a la pleine propriété, pardon, la nue propriété. Jouir du bien, percevoir les revenus. L'usufruit peut s'exercer sous toute espèce de biens, meubles, immeubles, biens immobiliers, biens de nature mobilière, actifs monétaires, dès lors que ça concerne des sommes d'argent, quasi-usufruit, 587 du Code civil. L'usufruit est par essence un droit viager limité dans le temps. Il s'éteint forcément au décès de l'usufruitier ou s'il a été prévu successif au deuxième bénéficiaire de l'usufruit. Il est temporaire lorsqu'il est fixé pour une période déterminée. Mais en tout état de cause, si l'usufruitier décède ou prend fin ou disparaît, eh bien, l'usufruit s'éteint. Voilà. Donc, si l'usufruit est prévu pour une durée de 15 ans et que l'usufruitier décède dans un an, l'usufruit s'éteint. Si l'usufruit concerne une personne morale, durée maximale 30 ans, et ça c'est d'ordre public, la jurisprudence est constante. L'usufruitier ou le juge ne peut pas vendre la pleine propriété d'un bien sans l'accord d'un nu propriétaire, donc de tous les nus propriétaires. Donc voici les références, hein, Code civil, cassation. L'usufruit peut être conjoint, notamment pour les époux mariés sous un régime de communauté. Oui. Ou si, en cas d'indivision d'un bien, on dit que l'usufruit est conjoint, il n'est pas commun, il est indivis, hein, il est en indivision, mais il est conjoint lorsque plusieurs personnes en jouissent en même temps. L'usufruit peut être successif s'il a été décidé ainsi au moment du démembrement de propriété. Ça peut être intéressant, mais attention à l'usufruit successif. Je dis ça parce que je vise ici notamment l'usufruit résultant d'une donation au dernier vivant. En général, on propose très souvent aux époux de faire une donation au dernier vivant. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée parce qu'on retarde la transmission. Il y a d'autres moyens pour protéger le conjoint sans donation entre époux. On peut faire une donation entre époux dès lors que le conjoint pourra éventuellement renoncer à une partie de ses droits, ce qu'on appelle le cantonnement de l'émolument du conjoint. Mais bon, on retarde la transmission s'il n'y a pas de renonciation. Puis comme plus on vieillit, plus on a peur de manquer, et ou alors on ne se rappellera pas de cette disposition-là et on ne la rappellera pas au moment de l'ouverture de la succession. Donc le conjoint prend tout. Et ça risque à nouveau d'être, sauf s'il opte pour l'usufruit, on va voir que le gros inconvénient de l'usufruit, donc le démembrement c'est bien quand ça n'existe pas, surtout pour le conjoint survivant. Mais bon, voilà une application, je la cite, c'est protéger le conjoint. Donc je donne la nue propriété à mes enfants, et en cas de décès, l'usufruit se poursuit sur la tête de mon conjoint. Non divorcé, non en instance de divorce, hein, voilà, je vais prévoir toutes les clauses. Hein. Mais aussi, on peut prévoir transmission à plusieurs générations. Alors, c'est possible aussi, mais c'est pour des raisons fiscales, je fais ça, c'est pour réduire la base taxable. Mais vous voyez, il peut être très intéressant de faire des sauts de génération. Mais comme la régénération intermédiaire se dit, oh, et moi alors, bon, je vais en profiter quand même. Donc, on peut très bien, et on verra le cas, donner ou attendre que l'usufruit, parce qu'on n'aime pas l'habitude, c'est de donner que la nue propriété, donc on peut donner très bien, en accord avec mes descendants directs, mes enfants, donner la nue propriété à mes petits-enfants. Et je rassure mes enfants en leur disant, tiens, ben, l'usufruit, c'est pour vous, à mon décès.
à mon décès, quelquefois, bon, ils vont dire, zut, alors, moi, ce serait bien que ce soit maintenant. Mais on a d'autres techniques pour ça que le démembrement de propriété. Il faut regarder. La clause de réversion d'usufruit, donc l'usufruit successif, hein, c'est ce qu'on a vu en introduction. Plan civil, c'est une donation à terme de biens présents. Et donc, elle est en principe taxable au droit de mutation à titre gratuit. Les donations, une donation entre époux n'est pas taxable puisqu'elle prend fin au décès. Mais une donation entre vifs, ben, est taxable entre conjoints. Donc, l'administration fiscale admet que cette usufruit successive ne soit pas taxée au droit de mutation à titre gratuit. Prévoir la révocation de cet usufruit successif en cas de divorce, notamment en cas de mésentente, en cas de divorce. Voilà. Donc, la règle fiscale, on vient de la voir. Et voilà, l'administration fiscale sont exonérées de réversion d'usufruit, le conjoint survivant, le partenaire lié par un pax, les frères ou sœurs vivant ensemble. Avec une réponse ministérielle de 2008. Donc, ça concerne que les réversion d'usufruit consentie depuis le 22 août 2007. Celles avant ne sont pas concernées. Voilà, fiscalité de la renonciation à usufruit successif, en principe, droit fixe de 125 euros. Renonciation à usufruit, l'usufruitier peut renoncer à son usufruit. Quel régime fiscal applicable? Eh bien, s'il y a absence d'intention libérale, en principe, droit fixe. S'il y a intention libérale, ben, droit de mutation à titre gratuit. Il y a un contentieux, hein, bien sûr, avec l'administration fiscale, parce qu'elle taxe toutes les renonciations usufruit. Je rappelle que pour qu'il y ait libéralité, donation, il faut remplir trois conditions, simultanément, cumulatives. L'intention libérale, l'intention de donner. Le dessaisissement irrévocable de la chose donnée et un enrichissement du gratifié, du nu propriétaire. Et c'est à l'administration fiscale d'apporter la preuve de la libéralité, de l'intention libérale. Et une jurisprudence assez récente, mais il y en a d'autres précédentes, dit que la renonciation de l'usufruit à son droit de jouissance ne constitue pas nécessairement une donation. Notamment, une jurisprudence plus ancienne dit que si la raison déterminante et de vouloir se libérer de charges trop lourdes, à ce moment-là, il n'y a pas d'intention libérale. Alors, de quoi s'agit-il dans cette jurisprudence de la Cour de cassation de 1997? C'était un usufruitier qui était imposable à l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Et elle n'avait pas, cette personne n'avait pas les moyens de payer l'ISF. Ah, ça lui coûtait beaucoup plus cher que ses revenus. Donc, pour vivre, il lui fallait abandonner la jouissance de son usufruit. L'administration fiscale, bien sûr, a dit « Ah, je taxe !» Et la Cour de cassation a donné raison aux contribuables. Et on a une jurisprudence de 2011 qui dit que, attention, l'acceptation, d'ailleurs comme toute donation, l'acceptation d'une donation peut être tacite, elle n'est pas forcément formelle. Si le nu propriétaire se comporte comme s'il avait reçu la nu propriété, c'est taxable. Donc le plus souvent, les nu propriétaires, ils vont figurer ces titres en pleine propriété, par exemple dans leur patrimoine. Oui. Et l'administration fiscale dit non. Moi, même... Donc, ça veut dire que si on n'est pas d'accord avec l'administration fiscale, il faut aller en justice. Même en l'absence d'intention libérale, moi, je taxe, dit-elle.
Et voici les références. Encore une réponse ministérielle. Ah, si le nu propriétaire entre jouissant du droit abandonné par le usufruitier, bah forcément, il ne va pas laisser mourir la chose. Puisqu'il n'y a pas d'usufruitier, l'usufruitier étant tenu à conserver la substance de la chose, et puis l'usufruitier, il va être tenu à conserver la chose. Donc, l'administration fiscale de dire, regardez, il se comporte en plein propriétaire, il va taxer. Voici les références. Voilà. Alors, la renonciation à l'usufruit, donc c'est un rappel de tout à l'heure, la renonciation à l'usufruit, à son droit de jouissance, ne constitue pas nécessairement une donation. Une personne renonce à son usufruit, la nue propriété détenue par une société à l'IS. L'abandon d'usufruit se traduit par un accroissement de l'actif de l'entreprise qui constitue un bénéfice imposable à l'IS. Devoir de l'usufruitier, conserver la substance de la chose, jouir en bon parent de famille, respecter la destination de la chose, par exemple, un local d'habitation peut être transformé en local commercial, à moins que le nu propriétaire donne son accord. Et s'acquitter des charges usufructuaires, des charges d'entretien. Protection de l'usufruitier. La vente d'un bien démembré ne peut se faire sans l'accord du nu propriétaire. On l'a vu. Et ne pas confondre usufruit et droit d'usage et d'habitation. Hein, le droit d'usage et d'habitation, c'est un droit moindre, rétréci, par rapport à l'usufruit. Le droit de jouissance spécial. Le droit de jouissance légale des parents, des enfants mineurs et les droits d'un locataire. Voici les droits d'usage et d'habitation. Le droit d'usage et d'habitation qui s'applique notamment en cas de succession. Le conjoint survivant a un droit d'usage et d'habitation sur la résidence principale si cette résidence était occupée par ce conjoint au moment du décès. Mais un droit réel, mais moins étendu que l'usufruit, parce que la personne, en principe, sauf exception, notamment pour le conjoint, un usufruit, le droit de l'usufruitier, c'est le droit aussi de louer le bien, pas avec le droit d'usage et d'habitation. On ne peut pas, le bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation ne peut pas louer le bien, sauf s'il s'agit du conjoint survivant, dans le cadre légal du droit d'usage et d'habitation. Sauf le droit d'usage et d'habitation du logement profit du conjoint. Voilà. Par dérogation, le conjoint peut louer le bien pour trouver des ressources nécessaires à son nouvel hébergement. Le droit réel de jouissance spéciale, les conventions successives ont pour effet de déroger à la règle instituée par l'article 619 du Code civil qui n'est pas d'ordre public. Donc par convention. Voilà, avec la possibilité d'un droit de jouissance provisoire et alternative, jouissance partagée. Droit de jouissance légale des biens des enfants mineurs, le représentant légal à la jouissance des biens de l'enfant mineur. Ça peut poser des difficultés, notamment lorsque les conjoints sont, enfin les parents, pardon, de l'enfant, ne vivent plus ensemble, ou sont séparés, ou divorcés. Si l'un donne à ses enfants mineurs, l'autre parent peut exercer son droit de jouissance légal des biens des enfants mineurs et donc prélever tous les revenus. Non. Sauf clause contraire, sauf si l'acte de donation comporte l'article 387 du Code civil, et j'écarte les droits de jouissance légale des biens des enfants mineurs. Le droit du locataire, c'est pas pareil qu'un droit d'usufruit, bien sûr. Le quasi-usufruit.